Hey, salut à tous, donc c'est Kazin pour le Kazin Collection Show. J'espère que vous allez bien, en tous les cas moi ça va super bien. Donc aujourd'hui, un petit compte rendu sur le vide-grenier que j'ai fait. Alors, j'ai pas trouvé grand-chose et je vais vous présenter aussi le reste des soldes que j'ai pu glaner depuis une semaine, hein, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite par le compte rendu vide-grenier. Donc j'ai vraiment pas fait de grandes trouvailles. J'ai trouvé uniquement 3 jeux Xbox. Alors j'en trouve pas souvent des jeux Xbox, donc ça fait quand même très plaisir. Alors il y a le Simpson Road Rage qui est complet en très bon état. Tous ces jeux-là, je les ai payés 2 euros. Il y avait aussi dans ce lot le Simpson Hit and Run, qui est lui aussi complet. Et le dernier jeu de ce lot, c'est le Cell de Mage, qui lui aussi est complet. Donc un petit lot bien sympathique, avec des jeux qui sont pas toujours très courants hein, quand même sur la Xbox. Et maintenant, je vais vous faire un petit compte rendu des soldes que j'ai pu faire en plus de la première session de soldes que j'ai fait. Alors je vous rappelle qu'il y a une première vidéo qui a été faite sur ça. Donc j'ai pu mettre la main sur deux jeux PS4, le Vampire sur PS4. Alors de mémoire, il était aux alentours de 15 euros sur la Fnac, qui est un super prix. J'ai pu trouver aussi le Call of Cthulhu, qui lui aussi était aux alentours de 15 euros à la Fnac. Et enfin, il me reste deux jeux 3DS que j'ai trouvé sur Cdiscount. Il y a le WarioWare Gold, que je crois avoir payé 10 euros. Et le Fire Emblem Fates and Conquest, que j'ai payé la somme de, je crois, de 13 euros, 13 ou 14 euros. Donc vraiment des petites trouvailles bien sympathiques en période de solde. Alors il ne faut pas hésiter à consulter régulièrement les sites Fnac, Cdiscount, parce qu'il y a de nouvelles soldes tout simplement, ou de deuxième démarque, troisième démarque. Donc voilà, un petit compte rendu bien sympathique pour ce dimanche. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao ciao!